Je vous demande de m'excuser, mais j'ai un début d'extinction de voix. Donc, petite angine qui débute. Pour m'excuser. Je suce toute la journée. Des pastilles, hein, des pastilles là. Je vois déjà quelques personnes qui se réjouissent. Non. Je vous rassure tout de suite. Pas de fausse joie. Ce sont bien des pastilles pour la gorge. Hein. Bon, terme technique. On est d'accord. On parle de terme technique. Oui, tout à fait. Voilà, donc. L'hydrocarbure est prêt, maintenant la mise à feu, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et surtout pour les personnes qui se trouvent à ma droite, le rayonnement de chaleur. Vous allez pouvoir reculer un petit peu dès que ça va commencer à prendre feu, car le rayonnement de chaleur, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez surprenant. Non, ça va. Ici, on va sentir, on va avoir de la fumée, mais là-bas, ils vont avoir chaud. Hein. Voilà, dans quelques instants, la mise à feu. Voilà. Procédé par le caporal Resinelli. Voilà, donc une petite surface, 2 mètres carrés. La manière d'intervenir sur ce type de feu, eh bien, c'est l'utilisation d'un extincteur à poudre. Alors, l'extincteur à poudre, on le percute, on le dégoupille, on le percute, on le teste, et ensuite, on approche et on vise la base des flammes. En aucun cas, on utilisera de l'eau. Alors, on le voit, un rayonnement de chaleur direct. Hein, les personnes qui sont ici à ma droite et même derrière moi le sentent tout de suite. Dégagement de fumée toxique, fumée très lourde, fumée noire, facilement reconnaissable, direction du vent, percussion de l'extincteur. Ok, on y va. Voilà, et là, Freddy, on le voit, l'hydrocarbure qui s'est répandu sur la pelouse et ça continue à brûler. Oui, effectivement, donc là, les herbes sont très sèches. On ne va pas tarder à poursuivre. Pour la poudre d'extincteur, je vous rassure, ce n'est pas toxique. Dans la poudre blanche n'est seulement pas toxique, ce sont les fumées noires qui le sont par contre. On va inviter le public à tester l'utilisation de l'extincteur. Alors si quelqu'un d'entre vous veut se tester, c'est le moment ou jamais, c'est la dernière démonstration. Allez, alors, monsieur ici. Une dame peut-être aussi. Une dame. Est-ce qu'il y a une dame? Non, monsieur Avart n'est pas. Non, il n'y a pas de dame dans le public, je vais y Non, mais j'aime pas ça. J'aime mieux filmer, voilà. Voilà, et madame, c'est parfait. On va vous mettre, ne vous inquiétez pas, une petite de pied avec un casque pour bien sûr vous protéger de la chaleur, car il est question de chaleur ici, Freddy. Oui, évidemment, la chaleur du rayonnement, c'est très important. Hein. Nous avons d'une part la toxicité des fumées, l'inconfort que ça procure, et puis le rayonnement. C'est une toute petite nappe. Nous sommes amenés à lutter contre des nappes de plusieurs centaines de mètres naturellement. À ce moment-là, on usera d'une autre technique. On ne va pas le faire à l'extincteur. On va user d'une mousse extinctrice. C'est une mousse qui est composée essentiellement d'eau et d'un émulsifiant qui produit une mousse et on vient tapisser la nappe d'hydrocarbure. On vient réellement l'isoler de l'air ambiant pour l'étouffer. On peut très bien imaginer, ici nous sommes sur un petit feu, une nappe de plus ou moins 1 mètre carré à 2 mètres carrés. Imaginons les magasins qui sont derrière, où là vous avez des toitures en composées d'hydrocarbures, donc il y a goudron, pink, isolation. Eh bien, imaginez un magasin comme ça, quand le feu prend, le travail des pompiers, déjà au niveau de la chaleur pour y accéder, et ensuite pour attaquer le feu. Oui, bien entendu, la majorité de nos interventions est souvent pénible. Faut-il le souligner? On peut équiper plusieurs personnes à la fois pour ne pas perdre de temps. Allez-y. Alors, Freddy, on parle d'extincteurs. Ici, forcément, ce sont des extincteurs de moyenne et grande taille. Mais il est judicieux de savoir que dans une cuisine, il est toujours bon d'avoir un petit extincteur, type extincteur de voiture, pour justement être paré à n'importe quelle situation et de maîtriser en tout cas des départs de feu. Oui, voilà, un feu naissant peut être tout de suite combattu avec un petit extincteur. Alors, la panoplie que l'on pourrait recommander aux personnes pour équiper le domicile, ben, je dirais un petit extincteur, pourquoi pas, une couverture anti-feu, et puis un détecteur de fumée à chaque niveau, c'est un minimum. Ça ne coûte pas cher aujourd'hui, et ça sauve encore beaucoup de vie, croyez-moi. Le détecteur de fumée,
c'est très efficace. Oui, justement, et aujourd'hui de plus en plus des assureurs le recommandent. Croyez-moi, c'est un investissement qui est très peu coûteux, mais qui peut vous sauver la vie à vous ainsi qu'à vos proches. D'avoir quelques détecteurs de fumée dans la maison, ce n'est pas du luxe. Et croyez-moi, ça peut vraiment vous sauver la vie. Donc, pour tous ces renseignements, à savoir où placer un détecteur de fumée, à quel endroit, n'hésitez pas à travers cet après-midi de poser des questions à nos conseillers et ils vous renseigneront, vous guideront à quelle personne vous demandez conseil. Voilà, pour les démonstrations, ici les feux de classe F, nous l'avons bien compris, l'eau est à proscrire. Tant pour le feu de nappe d'hydrocarbures que pour une fuite de gaz enflammé et encore moins pour un feu de friteuse, on le verra tout à l'heure. Alors donc, plusieurs types d'extincteurs, les plus connus, extincteurs à poudre, extincteurs au CO2, un peu plus coûteux, mais tous les deux sont efficaces. L'extincteur au CO2 sera plus efficace à l'intérieur d'un bâtiment, l'extincteur à poudre à l'extérieur. Voilà, donc nous l'avons bien compris, c'est véritablement supprimer l'apport d'oxygène pour éteindre le feu. L'oxygène étant un des trois composants du triangle du feu, donc on supprime l'oxygène, c'est-à-dire le comburant.